François Quentin, je suis le maire de la ville de Blainville. Pour la plupart d'entre nous, la récupération et le recyclage font partie intégrante de notre quotidien. Bien sûr, on peut placer au bac une multitude d'objets, dont les bouteilles de verre, les journaux, les revues, les canettes, les conserves et les publicsacs. Par contre, il est important que les objets multimatières y soient séparés avant d'y être placés. Par exemple, les conserves ont généralement une étiquette en papier qu'on doit retirer. Même chose pour les bouteilles de plastique. Pour ce qui est des publisacs, on doit séparer le papier du sac. Ensuite, on peut faire un sac avec les autres sacs qu'on laisse dans le bac. Cependant, nous devons tous faire un effort afin que les matières non recyclables ne se retrouvent au bac. Lorsque l'on place le bac devant chez nous, il est important de se rappeler que sa route ne fait que commencer. Il est acheminé chez Tricentris, où il sera dans un premier temps trié mécaniquement, puis manuellement par la suite. C'est pourquoi il est important d'éviter de mettre au bac des objets qui pourraient blesser les trieurs ou endommager la machine. Pour les objets dangereux ou impossibles à séparer, il faut les acheminer à l'éco-centre. En somme, recycler, c'est bien, mais bien recycler, c'est encore mieux.